Une excellente idée, Martine. Ce masque est magnifique. Venez observer le masque de plus près. Et ensuite, vous me rédigerez une page sur vos impressions. Pas besoin d'une page pour mes impressions. Une ligne suffit. C'est moche et nul. Je ne t'ai jamais raconté l'histoire de la tante par alliance de mon père qui a été envoûtée par un masque de marabout. Non, mais tu me raconteras ça plus tard. Et en parlant d'envoûtement, il y en a une à qui je jetterai bien un sort. Mais en fait, j'espère que ce n'est pas Sébastien que tu regardes, car c'est mon cavalier pour mon anniversaire. Tu sais, celui auquel vous n'êtes pas invité. Ça tombe très bien. On avait justement pas du tout envie d'y aller. Ça ne m'étonne pas. Vous n'avez aucun goût. Parce que ma soirée va être la soirée de l'année. Époustouflante. Fantastique. Fouille. Renversante. C'est mon masque, madame. Il a disparu. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il ne peut pas être bien loin. Bon, qui a pris le masque de Martine? Si c'est une blague, elle n'est pas drôle. Martine, j'ai trouvé ton masque. Dans les toilettes des garçons. Ah, il avait peut-être une envie pressante.